Des Esprits Jean a un nouvel album et une nouvelle dimension. Quelle couleur avez-vous voulu donner à cet album? C'est une couleur métissée, c'est vrai. C'est un petit peu le fruit, cet album est un petit peu le fruit de toutes les écoutes que j'ai pu faire à travers mes voyages, à travers les festivals où je suis allé. J'ai pu entendre des musiciens et des artistes issus de cultures complètement différentes. Et aussi, j'écoute beaucoup de musique chez moi de toute sensibilité. Ça va du rock à la musique haute, à la musique baroque, aux musiques du monde en général. Donc tout ça m'a nourri pendant une dizaine d'années. Et donc ça a créé quelque part en moi une sorte de paysage ou de pays intérieur qui a ressurgi, qui a ressurgi sur, et qui a fait en sorte que je compose de telle ou telle façon, et qui a fait en sorte que cet album ait lieu, C'est avec un toutes ces couleurs album différentes. entièrement composé, c'est une première. Voilà, c'est entièrement composé, c'est un album entièrement composé, mais qui a la différence, qui est très original en fait par rapport aux albums différents, dans la mesure où les disques différents ont été élaborés en studio. Très souvent, c'est vrai que j'arrivais avec mes mélodies, mes paroles, et puis en studio, on habillait le chant avec des arrangements, etc. C'était vraiment en studio qu'avait lieu la création. Et ensuite, une fois que ces titres étaient créés, on les passait on les mettait sur scène. Ici, c'était complètement différent, complètement à l'inverse même. C'est-à-dire que les titres, les chansons, les chants en question ont été mûris, ont été travaillés en amont. Joué sur scène dans le cadre de nombreux concerts, et quand j'estimais que ces titres étaient enfin finis, on est passé en studio, on les a enregistrés, on les a enregistrés pas non plus comme de la façon dont on avait enregistré les titres des albums précédents, c'est-à-dire où tous les musiciens étaient piste par piste, même certains musiciens se rencontraient même pas, ils venaient un jour et un autre jour c'était un autre. Là vraiment j'ai eu la volonté, dans la mesure où les titres étaient finis, j'ai eu la volonté et le souhait qu'on enregistre ces titres tous ensemble sur une même scène, comme si on était en concert en fait. Et donc pour ce faire, on a demandé donc à Christophe du Dourmeur, directeur du Dourmeur, s'il était d'accord de nous prêter sa salle pour l'enregistrement de ces titres. Donc on a été sur la on a mis les micros sur la scène du Dourmeur, et on a enregistré tous ensemble sur cette scène comme si c'était en concert, mais avec une qualité quand même, avec des micros de studio. Et donc ce qui donne à cette musique un côté très vivant et un côté très très spontané. Voilà, c'est vraiment un disque très musical. Le public est très en attente de cet album. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ben, en tout cas, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que c'est vrai qu'on a On a, c'est vrai que si on a attendu pendant longtemps, j'ai attendu longtemps avant de le faire. C'est vrai que c'est que j'y ai mis, c'est vrai, beaucoup de, malgré tout, de mon temps sur ce disque. Pendant ce temps-là, j'étais pas en train de rien faire, en train de tourner les pouces, parce que c'est vrai, en plus de ça, je composais beaucoup des guerres, etc., dont certaines figurent sur cet album. Et que vraiment, autant toute l'équipe qui a participé à ce disque ont vraiment donné au maximum d'eux-mêmes, 150% d'eux-mêmes, ont donné tout leur cœur, toute leur énergie sur ce disque. Et c'est vrai, moi j'en suis assez fier de ce disque-là. Voilà, j'espère que les gens aimeront ce disque. En tout cas, on y a donné tout notre cœur, et espérons que les gens iront plaisir à l'écouter, parce que le but du jeu, c'est que, avant tout, faire de la musique, c'est bien, mais avant tout, faire un disque, c'est pour que les gens écoutent et aient plaisir à écouter un disque. Et donc j'espère qu'ils auront plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, ben, pour moi, ça sera le pari sera tenu. Je Merci serai très heureux. beaucoup. Merci beaucoup.